la loi électorale, on a défini le nombre des enrôlés. C'est dans la loi. Aller au-delà de la loi, c'est-à-dire si vous augmentez, c'est que vous préparez une tricherie. On vous a dit ici qu'il y a des gens qui ont des machines à voter dans leur maison. Ce n'était pas faux, ce n'était pas faux, ce n'était pas faux. On dit que c'est faux, mais on va vous le démontrer. Pourquoi il y a ces machines? On ne va pas chercher loin. Site de la CENI. Et comme vous le savez, au niveau de la CENI, il y a deux sites. Il y a la cartographie et il y a la classe. Alors vous allez voir ce que la CENI a préparé comme magouille et chacun puisse le faire. Je vous donne un premier exemple. Vous avez ici à Dibaya, nous sommes dans la province du Kasaï central. À Dibaya, vous avez un numéro d'un bureau de vote qui est le 90-21-187 ITP Badoudi. Adresse, on donne une adresse. Quartier Célé, avenue Lumumba numéro 44, là où se trouve ce bureau de vote. Il y a combien de centres? Combien de bureaux de vote? Deux bureaux de vote. Et le numéro que je vous ai donné se termine par 187 à cet institut-là. Et combien d'électeurs? 1807 électeurs. Alors, je prends encore ici. Vous avez la même école. ITP Batoubi. La même école. Cette fois-ci située sur l'adresse avenue Tamwe Lumumba, quartier Bena. Toujours dans la même Adibaya, toujours. Et vous avez le même nombre d'enrôlés, 1807. Et un seul centre de vote et un seul bureau de vote. Comment 1800 personnes peuvent aller voter dans un seul bureau de vote en une journée? C'est là où ça saute aux yeux. Et ça, ce sont des bureaux fantômes. On ne peut pas laisser passer ce genre de choses. C'est un signe. Il est dans l'obligation de sortir la liste. On vous a vanté ici qu'ils ont fait appel aux spécialistes pour nettoyer les fichiers. Ils disent, ok, mais publiez maintenant la liste. Vous allez savoir pourquoi ils ne publient pas. Et ils ne publieront pas non plus la liste. Parce qu'ils ont préparé une tricherie à longue échelle. Inadmissible. Franchement, il faut peut-être être sympa pour préparer à sa population ce genre de choses. Donc, le jour de vote, nous ne voulons pas qu'il y ait des troubles. Nous demandons au président de la CENI de prendre le courage. Ma mission TV, le miroir du monde. Je tiens d'abord à remercier Dieu Tout-Puissant qui a permis que ce jour puisse avoir lieu. Et grâce à lui aussi, ça nous a permis d'obtenir tout ce que nous avons pu obtenir, que nous allons mettre à jour devant vous. C'est un grand jour aujourd'hui et c'est un grand tournant. Je pense qu'il doit organiser les élections en République démocratique du Congo. Et vous savez vous-même que il est prévu, on doit publier la liste des électeurs. Jusque-là, la CENI n'a jamais publié. On vous a fourré ici. Le président Kadima est passé pour nous citer la loi, dit que ça peut se faire d'une manière électronique. Et même d'une manière électronique, eh bien, le président Kadima n'a jamais, jamais mis à la disposition des Congolais cette fameuse liste des électeurs. Aujourd'hui, vous allez savoir pourquoi. Vous allez découvrir pourquoi. Nous allons ensemble découvrir pourquoi. Et c'est un travail que nous avons effectué. Et autre chose, vous savez qu'il y a un problème aussi des cartes électeurs. Vous savez, les cartes qu'on ne sait pas dire. Beaucoup de nos compatriotes qui vont pour avoir des duplicatas sont souvent surpris. De constater que leur nom ne figure pas dans le fichier de la CENI. Tout simplement parce que pendant l'enrôlement, vous avez remarqué qu'il y avait des machines qui tombaient en panne.
et le donner s'effacer. Donc, le jour du vote, nous ne voulons pas qu'il y ait des troubles. Nous demandons au président de la CENI de prendre le courage et d'avouer devant les Congolais qu'il y a beaucoup dont le nom ne figure pas. Et pour pouvoir réparer cela, il est dans l'obligation de sortir la liste. On vous a vanté ici qu'ils ont fait un peu de spécialistes pour nettoyer les fichiers. Nous disons, ok, mais publiez maintenant la liste. Vous allez savoir pourquoi ils ne publient pas et ils ne publieront pas non plus la liste. Parce qu'ils ont préparé une tricherie à longue échelle. Inadmissible. Inadmissible. Aujourd'hui, Tartuffe sera mis à nu. Parce que, ensemble, vous allez les vous savez, on critique souvent les Congolais, on nous dit, les Congolais ne lisent pas. Ils ont raison. Parce que nous, souvent, nous ne lisons pas et nous nous contentons du titre. Et lorsqu'on vous met un titre, et bien, vous vous contentez de ce titre. Vous ne lisez pas les contenus. C'est comme ça que souvent on dit les diables se cachent dans les détails. Alors, le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un travail bien fouillé. Ça a pris beaucoup de temps. D'abord, un, je suis chercheur, je suis avocat, et j'ai pris mon temps parce que je suis habitué à faire des recherches. Et nous sommes arrivés à cette conclusion. Et moi, je ne veux que mettre à la disposition de la presse et de tous les Congolais. Si vous aimez ce pays comme moi, si vous êtes des vrais patriotes, que vous soyez de l'Union sucrée ou de l'opposition, il est temps que vous fassiez la même chose que moi. Et vous allez découvrir, et vous allez mettre Kadima devant ses responsabilités, et nous allons demander à la justice de se saisir de cette fraude-là que vous allez constater avec moi, et tel qu'on ne peut pas laisser passer ce genre de choses. C'était sciemment. Alors, c'est à lui de dégager qui est responsable de ça. Vous allez constater deux choses. Et je pense qu'il serait souhaitable, pour ne pas qu'on m'accuse que j'ai tripoté. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai utilisé comme documentation pour faire mes recherches. Je ne suis pas allé trop loin. J'ai utilisé la loi électorale. Comme vous le savez, la loi électorale, on a défini le nombre des enrôlés. C'est dans la loi. Aller au-delà de la loi, c'est-à-dire si vous augmentez, c'est que vous préparez une tricherie. On vous a dit ici qu'il y a des gens qui ont des machines à voter dans leur maison. Ce n'est pas faux, on dit que c'est faux, mais on va vous le démontrer pourquoi il y a ces machines. Il y a une telle opacité dans l'attribution du marché pour faire que ce soit les machines ou les cartes. Tout simplement parce que c'est fait exprès. Personne ne sait parce que c'est notre argent. Quand il n'allait pas venir avec ses millions pour organiser les élections, c'est l'argent des contribuables. Et il ne rend compte à personne. On ne sait pas combien de bulletins ont été commandés. Est-ce que nous avons essayé le nombre de bulletins qui ont été commandés? Parce que nous savons par rapport au nombre d'électeurs et le nombre d'effectifs qu'on a découvert. C'est un travail que nous avons fait sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est ça, d'ailleurs. On va vous donner un exemple. Pour ne pas qu'on dise que j'ai inventé, mais après, ne vous emballez pas. Je vais vous donner la documentation pour vous de la presse. Je vais vous donner, mais je vais vous demander à vous aussi de faire le même que moi, parce que la formule, elle est déjà trouvée. Je vais vous donner la formule pour que chacun, dans sa disposition, puisse vérifier le faux que la CENI est en train de préparer. On ne peut pas une guerre, on ne peut pas avoir une élection parce que les gens vont être déçus et les gens vont être révoltés sur deux choses. Ceux qui ne vont pas trouver leur nom dans les bureaux de vote vont se révolter et lorsqu'il y aura proclamation, le résultat qu'on va donner va inciter les gens à aller loin. J'aide la République. Je vais aider mon pays. Je n'ai pas fait ce travail pour gagner des millions, j'aurais pu facturer. Je n'ai facturé personne. Je fais ce travail pour aider mon pays et je vais vous donner la formule pour que vous aussi, là où vous êtes, en Chine, n'importe où, vous allez faire la même chose et vous allez tomber sur le même résultat. Je commence par la loi électorale. Ça existe, même si vous allez sur les RL, vous allez le trouver. Mais pour la presse, je vais vous donner une copie. Deuxième élément, on ne va pas chercher loin. Site de la CENI. Et comme vous le savez,
au niveau de la CNI, il y a deux sites. Il y a la cartographie et il y a la classe. Alors, vous allez voir ce que la CNI a préparé comme magouille et chacun puisse le faire. Donc, vous allez calmement, sur CNI, je demande, pour ça, j'ai fait venir, j'aurais pu le faire moi-même, mais j'ai fait venir quelqu'un, tapez sur la CNI là-bas et vous allez voir vous-même en live ce qui se passe. Ou alors, si la presse veut, je vous explique ce qui se passe et après nous allons passer à la démonstration avec la lanterne d'Internet, ça peut poser problème. Voilà ce qui s'est passé. Je prends un exemple. C'est sur toute la ville, c'est toute la République, l'étendue de la République démocratique du Congo. Je vais vous faire une petite démonstration. Vous avez la ville. On prend la province du Kasaï central. Un exemple. Dans la province du Kasaï central, cartographie. Puisqu'il y en a deux. Cartographie. Je vous donne un premier exemple. Vous avez ici, à Dibaya, nous sommes dans la province du Kasaï central. À Dibaya, vous avez un numéro d'un bureau de vote qui est le 90-21-187. ITP Batoubi. Adresse, on donne une adresse. Quartier Tselé, avenue Lumumba numéro 44, là où se trouve ce bureau de vote. Il y a combien de centres? Combien de bureaux de vote? Deux bureaux de vote. Et le numéro que je vous ai donné se termine par 187 à cet institut-là. Et combien d'électeurs? 1807 électeurs. Alors, je prends encore ici. Vous avez la même école, ITP Batoubi, la même école. Cette fois-ci située sur l'adresse avenue Tamwe Lumumba, quartier Bena. Toujours dans la même à Dibaya, toujours. Et vous avez le même nombre d'enrôlés, 1807. Et un seul centre de vote et un seul bureau de vote. Comment 1800 personnes peuvent aller voter dans un seul bureau de vote en une journée? C'est là où ça saute aux yeux que ça, ce sont des bureaux fantômes qu'ils ont créés, ils ont leur machine chez eux pour que, au moment de la proclamation, vous allez avoir un bureau qui existe dans leur cartographie et vous allez aller. Comment je les ai attrapés? Ce n'était pas facile. Il faut être malin. Si vous allez toujours dans les sites de la CNI, cette fois-là, vous allez dans l'Atlas. Et l'Atlas vous donne les vrais chiffres. Ce qui est intéressant, les chiffres que l'Atlas vous donne, c'est les mêmes chiffres qu'il y a sur la loi électorale. Donc, la CNI va faire les élections avec ce genre de choses. Je ne me suis pas limité là. Je vais continuer. Tenez. Vous avez, par exemple, toujours à... Attends, quel bureau ici? Attends. 97. Ok, voilà. Là, ça devient intéressant. Toujours Kasaï central. Toujours ici, dans la ville de Kananga, vous avez Institut Mibeku. Institut Mibeku, adresse Katoka, G. Bakwa Odia. Vous avez ici, site CNI, cartographie, hein, cartographie, 1746 électeurs. Et un centre, deux bureaux de vote. Mais quand vous allez maintenant, dans l'Atlas, l'Atlas vous donne la même école, le même numéro, parce que l'Atlas va vous donner la même école, même école, même numéro. Vous n'avez que 873 électeurs. C'est ça. Et la loi électorale a attribué aussi. A attribué aussi 873 électeurs pour ces centres-là.
Là, quelqu'un dit, viens nous contenir, ça se trouve chez eux. Et comment Kadima peut dans cette cartographie, puisque les bulletins de vote sont commandés sur base de ça. Comment ils peuvent venir nous expliquer que dans leur propre cartographie, là où ils vont placer les machines, puisque vous allez voir sur l'atlas, il n'y a pas de bureau, le nombre de trucs. Or, ici, on vous donne les détails, regardez les détails du bureau de vote. 1A, 1A, le même bureau de vote, le même numéro. 1A, 437, 1A, 437. Et quand vous appuyez là-bas pour consulter le nombre de 437 électeurs qui doivent voter dans ces bureaux, c'est zéro. Vous n'avez pas accès. La CNI a bloqué. Il n'y a pas d'accès. Donc, on ne sait pas voir le nombre de votants pour ces bureaux-là. Chose qu'il avait promis d'être transparent. B, 1B, 1B, le même numéro. C'est-à-dire que vous allez voter dans un bureau et vous croyez avoir voté et ils ont leur machine à la maison. Ils font la même chose. Donc, c'est-à-dire ils ont doublé le bureau. Ce n'est pas terminé. Vous allez voir encore plus. Franchement, il faut peut-être être sympa pour préparer à sa population ce genre de choses. On va aller à de vote des listes provisoires des électeurs. Vous allez avoir ça, télécharger toutes les données. Ils ont bien fait leur histoire, hein. Mais ils pensaient que ça, ce sont les bureaux. Allez maintenant, promesse. Venez, tapez Kanangaville. Restez au centre. Kanangaville. Tout ça, ce sont les bureaux que nous avons dans Kanangaville. Allez maintenant, commune. Électorale, c'est 2852 enrôlés. C'est-à-dire que nous avons tout et vous avez vous-même la possibilité, vous avez vu ce que nous vous avons montré en live. Vous comparez avec la loi, vous allez voir ce que le bureau de Kadima a pratiqué pour les Congolais. Voilà ce que vous attendez de ces élections. Si vous ne vous mettez pas debout, nous disons nous que nous devons aller au-delà. Est-ce que ça peut prendre beaucoup de temps? Parce qu'ils connaissent, ils savent ce qu'ils ont ajouté. Maintenant, nous savons ce qu'ils ont ajouté. Et nous pensons qu'il est grand temps, avant d'aller aux élections, lorsque nous allons revenir sur le même site qui est quand même hein, élection. Ça sera le respect. Et nous demandons à la justice. Parce que nous disons, et Kadima nous a opposé la loi quand on lui a demandé d'afficher. Il a dit, la loi dit, soit par affichage, soit sur électronique. Où est l'électronique? Pour l'électronique. Maintenant, l'électronique nous a aidé à comprendre pourquoi ils refusent d'afficher. Parce que là, quand vous allez quitter là, vous allez savoir que directement, il y a des noms qui disent. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre le nom. Moi, j'ai parlé qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre le nom. Ce qu'ils allaient faire, c'est d'attribuer des voix et vous n'allez avoir que des chiffres. Et à côté, toute personne là, à côté, puis vous de la presse, faites ce travail-là si vous aimez votre pays. Si vous aimez la patrie, faites-le, je l'ai fait. Et nous avons tous les données. Nous vous avons dit que nous irons aux élections. Certains nous ont pris pour des cons. On leur a dit non, nous allons mettre un paquet pour faire en sorte qu'on puisse minimiser la tricherie. Ici, ils ont plus compté sur des voix comme ça qu'ils ont fait. Maintenant, on a mis à la place du public. Voilà pourquoi Kadima ne veut pas publier la liste. Parce que vous allez voir sur chaque photo, il y a un endroit. Avec les noms effectifs, il n'y aura pas de nom. Sinon, il y aura des noms. Nous, les mêmes noms qu'on va trouver à Tchala, les mêmes noms qu'on va trouver ailleurs. Ici, vous devez faire très attention. Il s'agit de notre pays. Et quelqu'un qu'on a donné la responsabilité, mais ne peut pas démarrer demain. Faire des choses telles que nous sommes en train de dire. Oui! Qui bino, puis on tourne aussi ma bino qui était. Moïse Katumbi a l'obat qui tourne qu'il n'avait l'élection. Paninga n'a besoin d'un peu de l'obat qui bino pour les actes tricheries, tourne qu'il n'est en moté. Et puis on l'obat qui tourne qu'il n'est pas tiré, puis mettons la confiance dans la population à biso, et que tout au sein de la population a la vigilance pour l'inni à surveiller ma yiba biso, ma voix à biso. Bandawana, tourne qu'il n'est pas la population à biso. Tous ça la nuance pour élection pour avoir la malade.
mais vous constatez le gomoko. Kadima, loin le binaye que, après ça, un délai va publier, bah, comme il y a bah, électeur, pas batté, pas de belé au bacal, n'a pas voulu pongi, tant au et au monde en a été, ce pas de moki ou kagi bango, parce que bah, j'aurais vendiqué pour qu'il nous voit la minorité. L'air y a un mot. Toujours à l'aide, mino, bah, de belé, monte à la gagne expérience, pour la mission que vous évitez, au moins, tu es bicidé, bah, comme au monde en a été. Deuxième élément, tu le bagi kadima, bimisa, parce que les hommes dans la tête, par exemple, qui ont audité fichier dans la tête, nous sommes pas vus parce qu'ils expert dans la tête, ils ont quitté. Bonne bonité, les hommes ont mis la tête. Tu es pas quitté par te mêler par la tête. Ne me parle pas, par tout pas éthique, par commoler par la tête, par contre, par la bousinote. Mais n'aille ou abino, la côte qui n'a bousinote, comme ça, la raison à chercher, n'a cherché. Tu continues à bousinote pour tout à la macabre et t'aller ma promo. Pourquoi? Quand il m'a oublié de s'améliorer, c'est pas un problème, mon père. Alors, ça va là, la raté. Bon, en tout cas, oui, il m'a rendu en dans les robes à pour la découvrir, la voie, il a fallu qu'à mon cas, il y en sinon, on a un bon mot, mais il y en a un bon mot. Donc, c'est belé des millions de Congolais. Mon côté a vu, il y a un ici, il y a un peu là, il y a un peu. Pour ce qui est, il y a un peu. Il y a un peu là, il y a recherche dans les tigres et ça la guinani. Dans une cartographie, il y a CNI, où on va publier. Il y a un nombre d'électeurs, il y a un bureau de vote. Dans une loi électorale, il y a Dieu. Dans une atlas, on va comparer ici. Il y a un livre comparé, il y a un nombre d'anomalies. Anomalies. Bureau, il y a un combo, mais il y a un nombre d'électeurs, il y a un nombre d'électeurs, il y a un nombre. Mais ma place est Kesseni. Il y a un souci à Zalakana, il y a même un nombre d'électeurs. C'est-à-dire, il y a un nombre d'électeurs. Il y a une loi électorale. Parce que tous les salamaki, la loi. La loi est la loi électorale, maman n'a pas de limite. Où est-ce que c'est un atlas? Où est-ce que la loi électorale est Kokani? Mais où est-ce que la cartographie à Seni y a voté? C'est-à-dire que Seni, à celle-ci, ma bureau est mêlé à l'hôpital et nous avons dénoncé dans le bar, parce que la machine n'a pas d'arbre. Pas matin, dans l'accès, ma bureau est à double et double, on va rouler la machine. Bino, on est à place, ni. Mais dans la carte à cartographie, on va rouler. Par contre, on va y aller, mais l'électeur va y aller. Bâtir ma moté, basali paye, té. On a ma cabane, on est à 16 000 électeurs. La émission va rouler pendant combien de jours? Or, tu es bien un bureau de vote, au moins 400, 500, mais vous avez un bureau de vote, vous avez un bureau de vote, mais 2000 électeurs. Mais dans le monde, il y a un même bureau de vote, même ligne, la CNI, loi et lobby, voire mon sous-sous, ou et lobby, voire mon sous-sous. Pas au bas, pisoté. Tout découvrir, tricherie dans Bango. Bango, par lui, pas à populaire, quand il m'a dit, on a organisé une sélection, madame. Et chaque fois, ceux qui ont dit, Mazo, le Bazo attaqué, gouvernement par côté de la caille. Il y a un secret à côté de la caille, parce que dans le monde, il y a un psychologue de la civile. Tout le monde est là, secret pas condamné. Tout le monde est là, Bambo. Ce qui ne sait que Maïe Bagi. Tout le monde est là, Bambo, pour pas condamner, Bambo, pour pas nous. Alors, à la tour de la civile, Bazali, pour la tour de la caille, à la tour de la province, Moko. Tout ça, il y a un mot Congo Mobimba. Babilo, on a un doublant. Bakoula, je sais que Congo Mobimba va salir des mois. Babiba a populaire. Ok? To segi kasina kadima, a l'ongo nepso babilo nyon soane, et puis to segi la vino va congolais. La lanzala, lukata mega na oya 2 dollars, a pambo ya taya 1 dollar. Tia, ota, yo petala na sécurité électorale na yo, ota la suite va créer le ote, biru ya mbatati, yizali. Allez, osa la dini, vous dénoncez un peu. Quand vous allez dans la salle, dans les Congolais, vous allez dans la salle. Puis vous allez après, vous allez dans la salle. Vous allez dans l'ordinateur, vous allez dans la salle. Vous cliquez le schéma dans la salle déjà. Vous allez dans la salle, vous allez dans la salle. Vous allez dans la salle. Vous allez dans la salle. Vous découvrir, vous décourager. Vous allez dans la salle. Vous allez préparer tout ce qui vous a manqué. Vous allez dans la patriote. Vous allez dans la salle. Mon côté, la salle à mon côté, la boule de mon bocal,
Mission TV, le miroir du monde.